Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'accueillir à nouveau le Premier ministre Shinzo Abe en France après la visite qu'il avait effectuée en octobre et qui nous avait donné l'occasion d'échanges très substantiels sur nos coopérations bilatérales comme sur la situation internationale. Et je veux avoir avant toute chose un mot suite aux attaques terroristes de ce week-end au Sri Lanka. En effet, alors que le bilan de ces attaques terroristes ne cesse de s'alourdir, je veux dire d'abord que la France est en solidarité complète avec les autorités, le pays, la nation tout entière, et se tient à la disposition des autorités du Sri Lanka pour apporter tout le soutien nécessaire. Nous exprimons à nouveau notre tristesse et notre affection aux familles et aux proches de toutes les victimes venues de tous les pays, y compris du Japon, Monsieur le Premier ministre, et au peuple sri-lankais qui vient de payer un lourd tribut au terrorisme et à la haine religieuse. Ces actes terroristes islamistes ont en effet visé de manière explicite des touristes étrangers et des chrétiens frappés au moment des fêtes pascales. Et j'exprime notre solidarité une fois de plus suite à cette barbarie. Chacun a le droit d'exercer sa foi sans peur et ses actes ignobles devront être punis. La coopération internationale contre le terrorisme exige la mobilisation de tous et elle sera d'ailleurs au cœur de nos priorités et nous y reviendrons. Le Japon est pour nous plus qu'un partenaire solide et sûr. C'est, je dois bien le dire, un ami fidèle dans les bons moments comme dans les tempêtes. Et cette confiance et cette attention constante qui existent entre nous sont une force au moment où nos deux pays exercent de manière concomitante des responsabilités majeures sur la scène internationale en assumant pour le Japon la présidence du G20 et pour la France celle du G7 en cette année. Nous avons la même ambition pour rebâtir la confiance dans le système multilatéral. Nous savons tous des obstacles, des tensions, des impasses qui existent aujourd'hui, mais ni le Japon ni la France n'ont l'habitude de baisser les bras. Et donc, entre Osaka et Biarritz, il y aura une même volonté de rebâtir cet axe multilatéral. D'abord, sur le plan commercial, nous souhaitons joindre nos efforts pour reconstruire la confiance dans un système commercial multilatéral, ouvert, équilibré et juste. C'est ce que nos concitoyens attendent. C'est le mandat aussi que nous nous sommes donné dans le cadre du G20 pour moderniser notamment les règles de l'OMC. C'est la même volonté que nous avons en matière d'économie numérique pour en faire justement une économie de la confiance. Et je salue à cet égard la volonté du Japon de travailler dans le cadre de sa présidence à une initiative sur la gouvernance des données pour que là aussi l'ouverture puisse se faire dans la confiance. Et nous allons évoquer en détail non seulement cette initiative, mais ce que nous souhaitons ensemble pouvoir poursuivre, et dans le cadre du G7 plus particulièrement, en matière de lutte contre les contenus haineux et illicites, la régulation des plateformes et la nécessité de garantir la sécurité des infrastructures. C'est la même volonté qui est aussi à l'œuvre en matière d'urgence climatique. Nos jeunesses nous incitent à agir plus vite et plus fort, et nous sommes dans une année importante au-delà de nos deux présidences, puisqu'en septembre prochain, les Nations Unies organisent un sommet décisif en la matière. Et là aussi, nous avons un agenda commun pour améliorer les standards d'efficacité énergétique, accélérer la mobilisation internationale pour l'éradication de la pollution plastique des océans, la protection de la biodiversité, comme le développement d'infrastructures de qualité. L'ensemble de ces sujets s'inscrivent, pour ce qui nous concerne, dans cette volonté de lutter contre les inégalités, qui sera le fil directeur que nous avons donné à la présidence française du G7. Et beaucoup des initiatives que nous porterons en la matière rejoignent nombre d'actions conduites par la présidence japonaise du G20.
égalité entre les femmes et les hommes au travers de la promotion de l'entrepreneuriat féminin, de l'éducation des filles, de l'accès universel à la santé, lutte contre les grandes pandémies, développement conjoint en particulier en Afrique. Et je pense également à l'agenda du G20 et du G7 sur la lutte contre l'évasion fiscale, les stratégies agressives d'optimisation. Et donc qu'il s'agisse des sujets économiques, commerciaux, climatiques, de genre, cet agenda de lutte contre les inégalités contemporaines dans notre organisation internationale et multilatérale, je crois, est un fil rouge de nos présidences. Notre proximité est un atout majeur pour réussir et nous la renforcerons lors des échanges aujourd'hui, comme lors de la visite bilatérale que j'effectuerai à votre invitation, Monsieur le Premier ministre, et je vous en remercie, au Japon, juste avant le sommet d'Osaka en juin prochain. Je suis très heureux de retourner dans votre pays à cette occasion et de pouvoir avancer sur cet agenda conjoint que nous avons, un agenda économique, culturel, universitaire, technologique, un partenariat d'exception que nous souhaitons acter ensemble à Tokyo dans quelques semaines au travers de l'adoption d'un nouveau plan d'action à 5 ans. Et je souhaite que nous puissions fixer aussi à cette occasion des priorités très concrètes sur le plan bilatéral, bien sûr, mais également dans le cadre de la coopération dans l'axe Indo-Pacifique pour nos partenariats industriels, d'innovation, de sécurité et sur tous les sujets que je viens d'évoquer. Nous avons, durant ces derniers mois, posé de nombreux jalons sur ces sujets, préparé ces échéances. Et donc, pour l'agenda multilatéral comme pour l'agenda bilatéral, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble. Et je n'ai pas cité, bien évidemment, l'organisation prochaine des Jeux Olympiques, qui seront aussi pour vous un rendez-vous important, puis de ceux que nous aurons à organiser et qui scanderont cette relation bilatérale et notre ambition commune. En tout cas, Monsieur le Premier ministre, cher Shinzo, sachez que vous êtes toujours le bienvenu en France et que j'ai beaucoup de plaisir à nouveau à vous accueillir ici pour poursuivre nos échanges. En tout premier lieu, donc sur l'attentat terroriste. Donc, il y a eu des paroles de compassion de la part du président Macron et j'en suis aussi très reconnaissant. Il y a eu beaucoup de victimes, y compris japonais, j'en suis extrêmement choqué. Donc tout ceci, ce type d'attaque est vraiment impardonnable, inacceptable et nous condamnons fermement. Nous prions pour le repos de l'âme de toutes les victimes et exprimons toute notre compassion et condoléances pour la famille des victimes. Le Japon et la France sont résolus à lutter contre le terrorisme. Concernant l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame, je souhaiterais exprimer du fond du cœur toute ma compassion au président Macron et au peuple français. Le peuple japonais en a été également profondément choqué, tout autant que le peuple français. Je suis profondément peiné à la vue des dégâts subis par ce patrimoine mondial qui fait la fierté de la France, emblème de son histoire et de sa culture. Dans la perspective de sa restauration, le gouvernement japonais n'épargnera aucun effort pour apporter sa coopération. Je me réjouis de pouvoir effectuer aujourd'hui une visite en France, en tout début de ma tournée des pays européens, des États-Unis et du Canada, dans la perspective du sommet G20 à Osaka, et je suis sincèrement reconnaissant envers Emmanuel pour son accueil chaleureux. Au cours de l'entretien bilatéral qui va suivre, j'ai l'intention d'avoir des discussions détaillées sur l'étroite coopération entre le Japon et la France pour faire réussir le sommet du G20 qui se tiendra à Osaka en juin. En tirant la croissance de l'économie mondiale grâce à la promotion du libre-échange et à l'innovation, en apportant notre contribution aux enjeux environnementaux et planétaires, à commencer par celui du changement climatique ou de la question des déchets plastiques dans les océans, en promouvant une société où brillent les femmes et où elles puissent pleinement s'accomplir, en tant que G20, nous souhaitons adresser le message fort que nous ferons bloc pour faire face à tous ces sujets. Le Japon et la France sont tous deux des nations du Pacifique et afin de préserver et de renforcer un espace Indo-Pacifique libre et ouvert, je souhaite que nous approfondissions nos débats sur la manière dont nous allons coopérer concrètement. Plus encore, sur les situations régionales, à commencer par celle de la Corée du Nord, je souhaite que nous ayons des échanges poussés et que nous réaffirmions notre étroite coopération.
C'est au mois de juin que nous allons assurer le rôle d'organisateur du sommet du G20 à Osaka et cette échéance approche maintenant à grands pas. Je suis impatient de pouvoir accueillir le couple présidentiel français à Tokyo. Et vraiment, je me réjouis de pouvoir avoir des débats dans le cadre de G20, dans le cadre du partenariat d'exception envers la France et le Japon qui partagent les mêmes valeurs universelles que sont la liberté, démocratie, droits de l'homme, principe de l'état de droit. Nous allons, Emmanuel et moi, en tant que président respectif du G7 et du G20, cette année, apporter main dans la main notre contribution à la paix et à la prospérité dans le monde. Je vous remercie.